La particularité du chantier, c'est qu'il est très novateur en plusieurs points. Le fait déjà d'avoir un bâtiment quasiment autonome, je pense que c'est vraiment un bâtiment tel qu'on le décrit, un bâtiment vraiment démonstrateur, un bâtiment d'avenir. Et j'ose espérer que tous les bâtiments qui seront rénovés sur le même modèle en tout cas. La différence, c'est que tout est optimisé ici. Mais depuis bien 10-15 ans, on aurait déjà pu travailler sur ce genre de modèle. C'est vraiment un choix de l'université d'aller dans le sens du développement durable. Bah déjà, c'est un site occupé, c'est quand même assez important en termes de contraintes. Après, c'est aussi un bâtiment qui est classé, donc qui a aussi ses contraintes historiques. Et puis, son développement, je dirais, technique. Voilà, en termes de performance thermique, en acoustique, ces choses-là, il y a quand même cette nouvelle révolution, je dirais, industrielle, voilà, de développement, et tous ces paramètres qui ont aussi une importance. Dans la gestion de la mise en œuvre, dans le timing aussi à respecter, et puis les objectifs à atteindre, hein, in fine, avec des économies d'énergie, avec ce côté un peu expérimental, hein, puisqu'on est un peu précurseur en la matière. On est dans les délais, globalement on a toujours des imprévus, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours de l'existant, donc on déconstruit pour améliorer, pour modifier les choses. On n'est pas à l'abri de découvertes fortuites, ça peut arriver. Malgré cela, on parvient toujours à régler les curseurs si on découvre un truc qui nous fait perdre un peu de temps avec les entreprises qui jouent le jeu pour rattraper et absorber et maintenir au mieux une date butoir qui a été définie. La première surprise qu'on a eue, c'est la découverte d'amiante, matériau qui était très utilisé dans les années 80, un matériau qui servait absolument à tout. Mais tout se traite, c'est juste une modification de planning qui ne retarde pas. Ou peu finalement les travaux en cours. D'ailleurs, on le voit, les ouvriers continuent de travailler alors qu'on est bien conscient qu'il y a l'amiante sur le chantier. On ne peut plus aujourd'hui se dire on va faire un bâtiment à moindre coût, sachant que derrière, on est là locataire pendant 10, 20, 30 ans. Donc finalement, c'est des coûts déguisés. Certes, on ne les sort pas tout de suite, mais ils seront perdus dans 30 ans. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il vaut mieux dépenser maintenant. Ce qui nous permet d'économiser sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bah, ça demande de se renseigner, si on ne sait pas, au moins de s'entourer des bonnes personnes qui connaissent bien ces sujets. C'est pour laquelle on a d'abord un bureau d'études fluides spécialisé en la matière, sur l'acoustique, sur la thermique, des bureaux d'études structure qui connaissent les bâtiments existants, qui font des sondages, voilà, afin de tous ensemble pouvoir contribuer et améliorer et développer justement toute l'évolution de ce projet. Hein. La phase 2 démarre le 13 mars. Il faudra que je confirme cette date, mais à mon avis, c'est bien le 13 mars, par le 4e et 5e niveau. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir du sang neuf, des idées neuves et de faire évoluer les choses. Après, il y a peut-être un 2 ou 3% de choses qui ne seront pas prises en compte parce que. Parce qu'il y aura des enjeux qui nous échappent, qui seront, je dirais, inadaptés. Voilà. Mais globalement aussi, on maintient ce qui est prévu, ce qui est conçu, ce qui est envisagé. On va jusqu'au bout.